Salut, salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube débrief entre le Racing Cœur de Lens et le FC Nantes. Score du match sur le score de 1 but partout. Avant de passer au débrief, je voudrais rendre hommage à cet homme qui est décédé hier soir à cause d'un arrêt cardiaque, Diego Armando Maradona, à l'âge de 60 ans. Il s'est éteint hier soir. Et c'est pour ça que je voudrais rendre hommage et je vais faire une minute de silence pendant une minute. Voilà les amis. Voilà, c'était mon match que je voudrais à Maradona. C'est une légende, un joueur extraordinaire qu'on a vu en 86. D'ailleurs, que vous avez vu, ou si vous voulez voir, allez sur Twitter, il y a la vidéo où il fait un énorme milieu de terrain jusqu'au but qui est énorme, qui a fait Maradona. Et donc on peut penser la main de Maradona contre l'Angleterre, c'est la main de Dieu. Et ce qui me touche aussi, c'est que Pelé a fait une interview, il a donné hommage à Maradona. Et ce qui m'a touché au cœur, c'est qu'il dit que un jour, j'espère jouer avec lui et au ciel avec un ballon. Ça m'a touché. Et tout à l'heure, dans les alentours de 11h midi, j'ai regardé l'hommage de Maradona des Argentins. C'est un peu touchant. Je n'arrive pas à me mettre dans ma tête que Maradona, voilà, que c'est une légende. On peut ne pas l'aimer en politique. Ça c'est autre chose. La politique, c'est autre chose. Mais dans le monde du football éthique, dans le monde du football, dans le monde du technique, dans le monde du ballon, c'est énorme. Ce qui a fait un travail de football incroyable. Et ça, c'est devant mes yeux, quand je regarde toutes les vidéos, tout ça, mais Maradona, mais personne ne peut devenir comme lui. Même. Et donc, du coup, et puis maintenant, le stade de Napoli, qui était nommé San Paolo, qui va renommer le stade Diego Armando Maradona, et ça c'est bien pour lui. Mais aussi les gars, si vous avez vu cette nuit, il y a eu Boca Junior qui ont fait un très très bel hommage avec le stade tout en noir. Et ils ont mis juste la lumière, et la lumière correspond à celle de Maradona. Et ça, c'était énorme. Tous les hommages que j'ai regardé sur la télévision, même sur mon téléphone, parce que oui, mais je suis couché tard. Même dans la nuit, j'ai pensé à Diego Maradona, et voilà, ça me touche au cœur. Et ça, là, comme vous allez voir, je n'ai pas pu trouver sur différents tabacs qu'il était en rupture de stock. Mais demain, dès que je me lève à 8h, je vais au tabac et j'essaie de retrouver un journal sur lui, même si c'est pas l'équipe, un autre que je m'en fiche. Il voudrait bien avoir un journal pour monsieur Maradona. Dans mon armoire. Donc voilà, les amis, c'était l'hommage de Diego Maradona et puis voilà. Puis adios Maradona. Voilà, comme je dis qu'il va bien au ciel. Les tactiques entre l'Olympique de Lens et le FC Nantes, 49% possession de balle pour les Lensois pour
51 pour toucher une balle pour le Nantais. 7 tirs côté Lensois pour 3 tirs cadrés. Pour 11 tirs côté Nantais pour 9 tirs cadrés. 1 au fond du filet pour le Racing. 1 au fond du filet pour les Canaries. 6 corners côté Lensois pour 2 corners côté Nantais. 14 fautes pour 4 cartons jaunes. Pour les cartons jaunes côté Lensois, Grady, Badet, Doucouré et Kakuta. Et côté Nantais, 18 fautes pour 2 cartons jaunes. La coproduction qui a été annoncée par Franck Est sur cette rencontre. Lucas dans les buts, c'est un 3-4-1-2. Lucas dans les buts, Grady, Badet, Edara à la défense. Donc Edara qui a remplacé Medina, parce que Medina, c'était pour craindre que, ben, pour à cause de la disparition de Diego Maradona. Les pistons, s'il a côté droit, côté gauche, pardon, Michelin à la place de Jonathan Danclos. Et 10 minutes terrain, les deux rocs du Sentinelle, Kaizak associé à Cheikh Doucouré. À route numéro 10, Kakuta qui était buteur. À la 27e minute du jeu, ça reviendra après. Et de part de l'attaque, Kanago associé à Simon Banda qui est décisif sur cette rencontre. La composition que moi j'avais annoncée dans mon avant-match, j'ai un score, attendez, si je regarde bien, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'obtiens sur un score de 9 sur 11 à la composition. J'avais mis au prono victoire à Lensois 1-0. Du coup, j'obtiens que le point, donc 5 points, 5 ou 10 points, parce que j'ai participé. Le quintet, faut que je regarde, mais ça, je m'en souviens plus, j'ai même pas pu regarder le résultat. Vous n'hésitez pas à me donner en commentaire combien composition vous avez vu au pronos, si vous avez eu bon ou pas, et à votre quintet. Revenons sur cette rencontre. Pour moi, sur cette rencontre, ça s'est joué dans les demi-temps. Ça s'est joué une mi-temps, ok, en soi, une minute mi-temps, c'était pour les Nantais. Mais j'ai bien dit en deuxième mi-temps, c'était plus entre la 45e et la 65e. Et après, ben, les Nantais, ils ont tous cherché pour aller chercher le match nul. Et je pense que cette rencontre, ils voulaient aller se dépasser à Lens pour ramener un point. Mais sur cette rencontre, le 1 point, je pense qu'il méritait. Frustrant. Mais franchement, sur cette rencontre, on aurait pu s'imposer et même pu aller chercher. Gagner le 1-0, mais je pense qu'on pouvait mener le 2-0. Mais on a eu quelques occasions qui pourraient nous faire mal. Côté Nantais, je pense que c'est beaucoup plus dangereux que nous. Ça a commencé la 3e minute de jeu par Colomani. Colomani qui est dans la surface Lensois, qui dribble Edara, une fin de frappe. Badé qui s'est complètement troué par Colomani. Et Colomani qui frappe, qui voulait frapper en force, qui pouvait même enrouler. Du coup, ben, une parade de Lucas. Et je pense que cette action-là, j'ai eu un peu peur parce que les Nantais ils pouvaient mener 1-0 sur cette rencontre. Ensuite, il y a eu à la 27e minute de jeu où là, il y a l'ouverture du score. Parallèle en soi, c'est signé Kakuta par un beau travail de Silla. Silla qui trouve la profondeur de Banza. Et Banza qui fait une sorte de croquetta pour éliminer Giroto ou je sais plus qui. Du coup, il fait une passe en retrait pour Kakuta. Kakuta qui a pu pousser au fond du filet et c'est au but. Donc, même l'info s'est trouvé dessus. Donc, ça fait 1-0 à la 27e minute de jeu. Du coup, Banza décisif sur ce but. J'ai vu, là, c'est la mi-temps. Mais, première mi-temps, les Lensois, je pense qu'ils étaient au-dessus parce que Banza a eu aussi deux occasions franches. Cette première mi-temps, je pense qu'on était au-dessus. On avait 51% de possession et 49% côté Nantais, un truc comme ça, les statistiques. Mais cette première mi-temps, je pense qu'on était au-dessus. Juste les Nantais ont été dangereux de la première minute jusqu'au premier quart d'heure, on va dire. Et après, ben, on s'est pris dessus au fil du match, comme contre les Dijonais. Et c'est ouais, qu'on a fait la première belle période. Au retour de vestiaire, il y a eu une très très grosse occasion. Encore une fois, Colomani qui nous a fait très très mal sur ce match. Et du coup, bah,
il fait un face-à-face contre face à Lucas. Du coup, il l'élimine. Et là, il est au face but. Et il y a deux lanceurs. Je crois qu'il est Badé. Je crois que deuxième. Je crois que c'est Edara. Mais il loupe le cas. Il loupe pour l'unité, encore une fois, d'égaliser. Et heureusement, d'ailleurs. Et après, bah, il va y avoir ce fameux penalty pour les Nantais. Que pour moi, c'est mon avis. On peut pas être d'accord. On pourrait être d'accord. Franchement, c'est votre avis. Pour moi, il n'y avait pas penalty. Pour moi, Bata, qui aurait dû faire, qui aurait dû aller voir la VAR. Parce que si on regarde bien les images, Jonathan Grady touche le ballon. Donc il va à une vitesse, je sais pas comment dire. Il touche Colomani. Mais une fois qu'il a touché le ballon, on peut dire que Colomani tombe, mais c'est avec la faute. Mais pour moi, il touche le ballon en premier. Et c'est la règle. Pour moi, c'est un peu difficile à contrôler la VAR. Mais pour moi, il aurait dû intervenir la VAR. Je ne sais pas qui a fait le bâtard, mais pour moi, il y avait quelque chose. Après, il y a penalty. Voilà, t'es sifflé. Et après, il va y avoir ce fameux où Lucas arrête le penalty. Mais sauf que Lucas n'a pas été sur sa ligne. Ça, je suis d'accord. Lucas n'a pas été sur sa ligne. Du coup, le penalty a retiré. Le café Calviac est bien. Après, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire en commentaire. Je ne sais pas si le Racing de Lens a accepté, s'ils vont faire appel à la commission, patati patata. Je ne sais rien du tout. Mais je pense que pour moi, il y a le match nul. Il y a 1-1. Au reste, franche, entre supporters, entre adverses. Voilà, pour moi, on prend un match nul et basta. On va pas aller chercher plus compliqué. Donc ça va faire des polémiques de gauche à droite, nanana, l'autre, non. Donc moi, je pense qu'on devait rester sur un match nul. Je m'en excuse sur Twitter de mes propos. Que j'ai dit qu'il n'y a pas penalty, que ça a retiré, que je devais avoir une victoire de 1-0. Non, j'ai bien regardé. Sur l'image, et que oui, pour moi il y a 1-1, mais pour moi il ne devait pas y avoir penalty. Juste, je dis pas juste qu'il y a penalty, mais juste au moins Bata qui va avoir la VAR. Après, sinon, au contraire, oui, le penalty pour moi il est quand même accordé. Mais avant que Colomani obtienne son penalty, il y a eu aussi l'occasion où Banda est dans la surface. Et il fait un centre chelou pour Toko là qui était tout seul devant. Enfin, il y a juste au fond du filet, mais qui fait un centre en louche. Alors qu'il peut faire une passe. Je sais pas, mais je crois qu'il peut faire la passe. Ou en profondeur, ou je sais pas. Mais Toko, il était tout seul devant le but. Après, je ne sais pas, mais pour moi, il y avait le moyen de aussi. Mais sur toute rencontre, je pense qu'il y avait moyen d'essayer de chercher la victoire. Après aussi, je sais pas si Lucas pouvait sortir ou Colomani fait un grand pont ou quoi sur Brady, mais je pense que pour moi c'est un nul logique parce que chacun a eu sa mi-temps, Lens a eu sa première mi-temps, Nantes a eu sa deuxième mi-temps, on va être clair. Donc je pense que c'est un bon point pris parce que si on regarde bien au niveau classement pour l'instant, que le deuxième journée pour moi c'était un match joker, c'était un match en plus. Mais ce match en plus, on prend le match nul. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, le match de retard, c'est à Marseille. Et le coup de poker à Marseille, d'aller chercher. Alors là, si on peut le faire. Mais je pense que ça va être très, très compliqué d'aller chercher le match nul à Marseille. Donc voilà, donc on va essayer de faire tout qu'on peut à Marseille. Mais je pense que ça va être très, très compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas la date du repris entre Marseille et Lens. Je pense que tout le monde n'a pas cette date. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, sur le point de classement, le 18e, donc barragiste, on est à 10 points du barragiste. Et à partir de la 9e place, les amis, on est à 12 points. Et sur la saison dernière, en Ligue 2, on a fait sur la 11e journée, donc où est-ce qu'on est, sur un score de 20 points. Et là, on est sur un score de 18 points. Je pense qu'on est assez costaud. Ce début championnat, 18 points pris, je pense que c'est quand même énorme pour juste
Deux défaites seulement. Et je pense que c'est 4. Pour un promu comme ça, alors que je crois qu'on est 6e ou 7e au classement, je crois que c'est énorme qu'on fait en début de saison. Et on peut pas. Je pense qu'on va pas toujours gagner, machin, non. Mais tout au moins que d'abord qu'on assure d'abord le maintien. Et après, les autres places, c'est du plus, avec du bonus. Mais comme on dit, faut profiter dans la vie. Donc voilà. Donc j'espère que ça va continuer ainsi. Là, on va prendre la récupération, on va récupérer. Et ce week-end, on a un match. C'est contre Angers. Je pense que ça va pas être facile à jouer parce qu'Angers, c'est pas une équipe. C'est une équipe costaud quand même. Ils sont costauds défensivement. Et offensivement, vu que j'ai regardé match contre Lyon, ils pouvaient chercher match nul, voire la victoire. Donc ça va être dur contre les Angevins, mais on va se faire. Avec qu'on peut, et pourquoi pas aller chercher la victoire ou le match nul, parce que la semaine prochaine on a un gros match qui arrive. Donc voilà, donc moi je vous dis, n'hésitez pas en commentaire votre ressenti du match en quelques mots, hein, pas mais bon, je pense à qui, à toi Julien, je pense à toi, je pense aussi à sur le groupe du RC1 sur Twitter, merci à donner quelques forces qu'on partage. L'homme du match, qu'on partage, voilà, la compo, qui qu'on va mettre, notre résultat, etc. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, pour vous, qui est l'homme du match? Pour moi, je pense, c'est franche, pour moi, c'est Cahuzac. Pour moi, Cahuzac devrait être l'homme du match. Après, les gens, ils pensent au buteur, donc il y a certains qui vont mettre Kakuta. Pour moi, je vois entre Kakuta, Cahuzac et Jean-Luc Lucas. Pour moi, ça joue entre l'un, deux, trois, là. Parce que Lucas aussi a été décisif. On revient à la troisième minute de jeu. Je pense que là aussi, ça peut se jouer. Donc voilà. Moi, je vous dis, on se retrouve samedi soir pour l'avant-match entre le Racing de Lens et le SCO d'Angers. Match constant pour la 12e journée de Ligue 1. Donc voilà. Moi, je vous dis, prenez soin des vôtres. Prenez soin de vous. Et comme je vous dis, adios Maradona au ciel. Donc voilà. Je vous dis bonne soirée, une bonne Ligue Europa. Je pense qu'on va garder du Lille-Milan. Un bon apéro avec un bon McDo. Je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, donc moi je vous dis prenez soin des vôtres. Ciao, je vous dis à samedi. Et allez là, dans la roue la gloire, on est là les amis.